Saviez-vous qu'il était possible d'utiliser la dictée vocale dans l'application Word avec votre tablette? Alors, je suis dans l'application Word. Je vais activer le micro, le clavier. Donc, je m'installe pour pouvoir écrire quelque chose. Donc, je pourrais utiliser le clavier. Vous voyez complètement à la droite, il y a un micro bleu sur lequel je vais appuyer. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée. J'ai réappuyé ensuite de ça sur le clavier pour me dire que j'avais terminé mon enregistrement. Je vais reprendre l'enregistrement pour vous montrer quelques paramètres. Alors ici, en ouvrant la roulette, vous voyez que je peux choisir la langue et je pourrais activer aussi la ponctuation automatique. Donc ça veut dire que les virgules et les points vont s'ajouter au moment de ma prise de parole ou de mon écriture vocale. Faisons un essai. Bonjour. Oh, il faut que j'active mon micro, bien sûr. Bonjour. Comment allez-vous? Intéressant, n'est-ce pas? Voici une autre manière d'activer la synthèse vocale, la dictée vocale, en fait. Donc, j'ai ce micro-là dans Word, mais si je ne suis pas dans Word, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais aller dans le paramètre, dans les paramètres. Je vais aller dans Général. Et dans Général, je vais aller tout de suite dans Clavier. Donc, en ouvrant Clavier, je descends 1, 2, 3, la quatrième boîte. J'ai activé la dictée. Donc, j'autorise l'activation de la dictée. Et ce que ça va faire, c'est au moment d'aller écrire, par exemple ici, dans un champ de recherche, j'ai le micro qui s'est ajouté à mon clavier. Et là, vous voyez, je vais pouvoir faire ma recherche en utilisant le micro pour dicter ce dont j'ai besoin.